Maintenant, regardez. Now look. Est-ce qu'il y a un homme ici qui a connu une femme qu'on appelait Evelyne? Is there a man here who has known a woman called Evelyn? Est-ce qu'il y a un homme comme ça dans son passé qui a connu une Evelyne? Est-ce qu'il y a un homme comme ça? Evelyne, c'était qui? Who was Evelyn? C'est ma femme. Elle est où? Elle est là dans la salle. Est-ce qu'elle peut venir? Ça, c'est Evelyne. Is this Evelyn? Et c'est Varami. Regardez. Look. Votre foyer. Your marital home. Votre foyer a besoin de délivrance. Votre foyer a besoin de délivrance parce que vous avez subi beaucoup d'attaques. Depuis que vous êtes marié, vous avez subi beaucoup d'attaques. Vous êtes marié depuis. Ça fait combien d'années? 7 ans. Ça fait 7 ans. Depuis que vous êtes marié, il y a des problèmes terribles dans votre foyer. Quand vous l'avez trouvé, il se battait. Quand l'avait trouvé, il se battait. Et les choses avaient quand même l'impression de donner. Après le mariage, les choses se sont compliquées. Ça s'est attaché. Vérité, papa. Et vous êtes persuadé qu'il y a un esprit qui attaque vos finances. Gamera wa anna haslomi. Maintenant, je vais vous aider. Est-ce que je peux prier avec vous? Après aujourd'hui, la parole de l'Éternel vous a franchi. Dans le nom souverain de Jésus. Maintenant, regardez. Vous savez, votre foyer, quand j'ai vu dans le règne de l'esprit, j'ai vu des choses enterrées. Des actions enterrées. Le sang de Jésus va laver ces mauvaises actions. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus va nous aider. Regardez. Je vous ai vu avant de la voir. Vous étiez avec une femme. Vous étiez avec une femme qui est partie. C'est vrai, mon père. C'est vrai. Vous êtes divorcé. Elle est partie. C'est vrai, mon père. Et celle-ci est entrée. Elle vous a remplacé. Elle l'a remplacé. D'accord. Regardez. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais vous montrer. Vos problèmes commencent depuis votre jeunesse. Your problem starts since your youth. Vous savez ça? C'est vrai. Mais je vais vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est clair. Mais je vous laisse expliquer aujourd'hui. Vos problèmes commencent. Votre enfance a été très mauvaise. Parce que vous êtes quelqu'un qui a connu beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et beaucoup de boissons. Voilà les choses, le chemin que vous avez suivi quand vous étiez plus jeune, avant de connaître le Seigneur. Et vous avez croisé beaucoup de mauvaises personnes. Vous me suivez? C'est vrai. Regardez. Quand vous étiez jeune, il y a une jeune femme qu'on appelait Véronique. Véronique, que vous aviez aimée. Il y a une jeune fille que vous aviez beaucoup aimée, qu'on appelait Véronique. Et ce n'était pas une fille simple. Ce n'était pas une bonne personne. Vous suivez? Oui, mon père. Est-ce que vous avez connu une femme qu'on appelait Véronique? Je ne me rappelle plus comme c'était depuis l'enfance, mon père. La jeunesse. Depuis la jeunesse, mon père, je ne me rappelle plus. Vous ne rappelez pas. Ok. Il n'y a pas de problème. No problem. Vous avez connu une femme. You've got a woman. Qu'on appelle Véronique. Called Véronique. Et ça va vous revenir. And it will come back. Et cette jeune fille, vous l'avez beaucoup aimée. This young girl, you loved her so much. C'est pas le genre de relation qu'on dit non. C'était juste une passade. Non. It was just a passerby. C'était une fille que vous avez aimé et avec qui vous avez partagé votre vie. Et c'était une jeune fille très maléfique et qui à l'époque a lancé un mauvais sort sur vous à partir d'une culotte. Votre village c'est où? Where is your village? C'est Balessing. Balessing. Votre village c'est Balessing, à l'ouest. À l'ouest. À l'ouest. Balessing. J'ai vu une femme qu'on appelait Sophie. I saw a woman called Sophie. J'ai vu une femme qu'on appelait Sophie. I saw a woman called Sophie. Je l'ai vue avec vous. I saw her with elle aussi. Dans votre passé. Tout ce que je vous raconte, c'est votre vie. C'est derrière les filles là. Je vois Véronique derrière vous ici. I see Véronique behind you here. Et je vois Sophie ici. I see Sophie here. Et c'est les personnes que vous avez connues. Vous avez suivi un nom comme Mba. Mba. Vous avez suivi un nom comme ça. Mba. Mba, c'est qui? Who is Mba? Je fais leur travail. Mba. Puisque je suis ici. Vous avez quel problème avec Mba? What problem did you have with Mba? On a eu juste une petite discussion. Simple. À cause de quoi? C'était à cause du bois.
Votre première femme est partie pourquoi? Why did your first wife go? On avait les problèmes au foyer. Oui, vous avez des problèmes au foyer. Elle découchait. Elle découchait. Oui, mon père. Je parle de la dernière, ce qui est parti. I'm talking about this last one that went. C'était les mêmes problèmes, mon père. Elle découchait. Oui, mon père. Elle découchait pourquoi? She slept off je one. Ne sais pas. Trois femmes. Je sais. Elle découchait pourquoi? Je ne sais pas. Vous ne découchiez pas. You did not sleep off. Non, attendez. Parce que je suis en train de lui parler. Peut-être qu'il pense qu'on est en train de blaguer. Regardez. Écoutez. La dernière femme avant que celle-ci n'entre. Before this one enters. Hein? Hein? Avant qu'Evelyne ne vienne. Before Evelyne. La dernière femme. Vous avez eu un problème avec elle à cause de son ami. Oui, c'était un problème de sorcellerie, mon père. Non. Pas la sorcellerie. Avec son ami. Son ami là était un Nigérien. Oui, c'est vrai, mon père. On a eu les problèmes avec mon ami. Vous avez les problèmes avec votre ami? Oui, avec la femme à cause de mon ami. Oui, et le problème c'était quoi? Bon, l'ami intoxiquait la femme derrière moi. De quoi? Donc, j'avais constaté que l'ami, c'était un ami maléfique. Et j'ai dit à ma femme que esquivons cet ami. J'ai constaté qu'ils s'attachaient en intimité. C'est là où les problèmes ont commencé. Et qui rendait visite quand vous n'étiez pas là? Il rendait toujours visite chez moi quand je n'étais pas là. Et j'ai même soupçonné. Donc, je vais au travail, au retour, je garde la moto un peu loin. Je marche à pied pour revenir à la maison. Je les trouve à la maison. Bon, maintenant, regardez, elle vous accusait aussi de quelque chose. Elle vous accusait de quelque chose. Elle avait son amie qu'on appelait Clarisse. Vérité, hein? Elle vous accusait de coucher avec Clarisse. On a eu trop de problèmes. Beaucoup. Trop de problèmes. Et c'est à cause de son soupçon à partir de Clarisse qu'il y a eu des problèmes avec votre amie. Parce que quand vous lui parlez, elle vous disait que toi-même, tu fais. Je ne dis pas qu'il fait encore. Je suis en train de parler. Parce qu'il ne faut pas que vous alliez bagarrer à la maison. Je vais juste lui montrer que. I just want to show him. Ok. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Let me show you something. Vous avez travaillé pour Monsieur Mba. You worked for Mr. Mba. Vous avez travaillé pour Monsieur Mba. Et vous avez eu des problèmes avec lui. You had problems with him. Oui, mon père. Quel est le problème que vous avez eu? What was the problem? C'était le problème de bois. Oui. On a discuté pour les arbres. Oui. Puisqu'on peut. On payé dans une forêt et les arbres que j'ai pris, il est allé scier d'autres. On a discuté. On l'appelle comment? Monsieur Mba. Monsieur Mba. On l'appelle comment? Monsieur Mba. Monsieur Mba. Vous avez le problème avec Monsieur Mba, c'est ça, n'est-ce pas? Et vous avez travaillé avec monsieur qu'on appelle comme Monsieur Nken. Monsieur Nken. Et avec cet homme, vous avez aussi eu des problèmes. That man, you also had problems. Mais avec lui, le problème que vous avez eu était plus sérieux qu'avec M. Mba. Was more serious than with Mr. Mba. Parce que M. Ken n'était pas quelqu'un comme M. Mba. C'était quelqu'un qui travaille, mais avec toujours ses écorces sur lui, dans sa poche, toujours. C'est-à-dire, c'est que ce marabout lui donnait pour gagner le marché, pour humilier et soumettre ses ennemis. To subdue his enemies and et votre travail a commencé à avoir des problèmes à cause de ça. Seigneur, au nom de Jésus. Lord, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Que Dieu délivre votre foi. May God bless your marriage and home. Vous voyez, ils sont où? Ils sont où? Attendez. C'est la femme. C'est la femme. Regardez. Je n'ai pas prié pour votre foyer comme je devais prier. I've not prayed parce que votre délivrance, elle est prophétique. Because donc, rentrez go back et réfléchissez. Dès que vous vous souvenez when you des femmes que je vous ai dit, je vous dirai, parce que les problèmes que vous avez de votre côté, have,
ça vient de ces deux femmes que j'ai citées. Elle aussi, elle a ses problèmes qui viennent de son passé. Vous comprenez? Oui, mon père. Mettez-la un peu debout. Vous avez connu quelqu'un qu'on appelait Pierre? Oui, père. Oui, père. C'était qui? Who was it? C'est un monsieur que il était venu chez nous demander la main. D'accord. Vous savez ce qui s'est passé avec monsieur Pierre? Did you know what happened with monsieur Pierre? Non, père. Vous ne savez pas? You oui, don't. Père. Mettez-vous à côté de votre femme, je vais vous montrer ce qui s'est passé d'elle, de son côté. Regardez. Look. Lorsque Pierre est arrivé dans votre famille, il est arrivé, c'était quelqu'un de bien. Et il est venu et il a dit qu'il voulait vous épouser. Il a demandé la main. On lui a demandé une liste. On lui a donné une liste. La liste était longue. Et vous a parlé. Il vous a dit que regarde, tes parents exagèrent. C'est trop long comme liste. Vous lui avez dit non, ça va. Je veux parler avec mes parents. Et vous avez parlé à vos parents. Après, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a commencé à déposer les choses. Après, les parents se sont opposés. Et vous aussi, vous êtes opposés à la fin, parce que vos parents étaient opposés. Et il est quitté en laissant ces choses. Et lorsqu'il a laissé ces choses, il s'est fâché contre vous. Et il est allé faire les traditions, comme ça se fait chez vous. Que comme la dot, il a laissé une partie et il n'a pas pris la femme. Celui qui va prendre la femme là doit souffrir. Vous me suivez? C'est pour ça que depuis cette époque jusqu'à l'âge, si vous avez des difficultés, chaque homme que vous rencontrez, la cohabitation est toujours difficile. C'est compliqué. Donc, il faut prier. Je dois prier avec vous que ce que Pierre a fait soit brisé pour que vous jouissiez de votre mariage. Vous avez connu qui qu'on appelait Achille. Who did you know called Achille? Vous avez connu qui comme ça qu'on appelait Achille? Who have you known c'était Achille? Un ami de l'école comme ça. Et vous disiez quoi? What was he telling you? Il avait d'abord parlé du mariage. Après, ma tante a dit non. On l'appelait comment? How was Achille. He called? On l'appelait comment? How was Achille. He called? Vos finances seront libérées. Will be released. Vous comprenez? Est-ce que je peux prier pour elle? Can I pray? Père, au nom souverain de Jésus, Father, in the sovereign name of que Jesus, ma fille soit libérée de l'influence de ces hôtels maléfiques. Amen. In Jesus. Au nom de Jésus. Amen. You are free. In Jesus. Je l'ai. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes, oui. Hein? Oui. Où vous êtes? Oui. Les gens ont exploité votre vie. People exploited your life. Vous comprenez? Mais je vous dis pourquoi. Les gens ont exploité votre why. Vie. Je vous ai vu avec une femme que vous aimiez beaucoup qu'on appelait Marie. I saw you with a woman you loved so much called Marie. Je vous ai vu avec une femme que vous aimiez beaucoup. Qui était comme une amie à vous. That was like a friend of yours. Qu'on appelait Marie. Called Marie. Et qui s'est beaucoup attachée à vous. Qui s'est trop attachée à vous à l'époque. A lot to you in that time. Et elle ne s'est pas attachée à vous pour votre bien. And she did not attach herself to you for your good. Non. No. Premier papa, j'ai eu une soeur qui est Marie, une nièce qui est aussi Marie, mais une amie Marie, ça ne revient pas. Bon, si ça revient, vous revenez. It comes back, come. À l'époque, elle vous accompagnait, allez vous coiffer. The past, she accompanied you to go and dress your hair. À l'époque, elle vous a passé, vous aimez la coiffure. Elle vous accompagnait, allez vous coiffer chez Cathy. Marie, Marie-Joseph. C'était qui? C'était une camarade de classe il y a longtemps. Vous avez dit que vous ne connaissez pas, on n'avait jamais connu de Marie. Hein? Ça faisait longtemps. Et la maman, ta prophétie est déjà refroidie, ma fille. Je vous fais comment? C'est déjà congelé.